Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler du prix des panneaux solaires hybrides. À la fin de votre lecture, vous saurez exactement qu'est-ce qu'un panneau hybride, quel prix payer pour faire des économies, est-ce que ça produit plus d'énergie qu'un panneau classique et est-ce que c'est vraiment rentable. Dans une poignée de minutes, vous aurez toutes les infos sur le prix de cette technologie et vous saurez si ça correspond à votre projet. Alors restez bien avec moi, c'est parti! Je suis Lola de Nouvelle Ère Énergie. Durant la lecture de cette vidéo, je vous encourage à me poser vos questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir en quelques minutes. Je vous conseille aussi de vous abonner à ma chaîne, sans oublier de cliquer sur la petite cloche, parce que je partage des bons plans sur l'installation de panneaux solaires et je mets aussi très souvent en ligne des guides vidéo qui vous donnent plein de conseils sur l'énergie solaire. Comme je vous l'ai annoncé dans cette vidéo, je vais me concentrer sur le prix des installations hybrides. Ça va vous permettre de savoir si l'hybride peut être un projet rentable pour vous. Je vous propose quand même de faire un point sur les capteurs hybrides, histoire de partir sur de bonnes bases. Un panneau solaire hybride, c'est un panneau qui produit à la fois de l'électricité pour alimenter votre maison et de la chaleur pour chauffer votre chaude sanitaire ou votre maison. Attention, il existe plusieurs types de panneaux hybrides. Certains offrent du chauffage, d'autres de l'eau chaude. Un seul panneau hybride ne peut pas chauffer votre maison et votre eau en même temps. En fait, le module hybride est un mélange de deux technologies que vous devez déjà connaître. Celle des panneaux solaires photovoltaïques qui produisent de l'électricité avec leurs cellules et celle des panneaux solaires thermiques ou aérovoltaïques qui produisent de l'eau chaude ou du chauffage. Pour résumer, c'est la solution idéale si vous souhaitez produire deux énergies, de l'électricité et de la chaleur sous forme de chauffage ou d'eau chaude. Si vous voulez vous attarder plus en détail sur le fonctionnement, j'ai résumé les infos essentielles dans un petit contenu. Plutôt pratique, non? Cliquez sur le bouton qui s'affiche autour de moi pour télécharger votre PDF gratuitement. Maintenant qu'on a les bases, on peut passer aux choses sérieuses. Parlons du prix. Je vous ai préparé un tableau avec les prix des panneaux hybrides ou aérovoltaïques en fonction de la puissance installée. Vous pouvez le retrouver en suivant le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Je vais me pencher sur les caractéristiques de chaque panneau hybride un peu plus tard dans cette vidéo. Mais d'abord, je voudrais faire un petit comparatif. Toujours dans la description de la vidéo, vous trouverez les prix pour une installation photovoltaïque classique. Vous y avez jeté un œil? Si ce n'est pas encore le cas, je vous donne tout de suite l'info à retenir. Les modules hybrides coûtent plus cher. Mais vous allez voir que c'est justifié. Pourquoi? Parce que les capteurs solaires hybrides produisent davantage d'électricité que les capteurs photovoltaïques. C'est tout bête. Quand un panneau photovoltaïque produit de l'électricité, il chauffe. Quand il monte en température, il devient un peu moins performant. Le panneau hybride, lui, est refroidi. Du coup, il produit plus qu'un panneau photovoltaïque. C'est pour ça qu'on peut se permettre de le payer un peu plus cher. Alors, cette technologie vous tente? Vous pouvez discuter de votre projet avec l'un des techniciens conseillers de Nouvelle Ère Énergie. Ils sont à votre service pour vous accompagner gratuitement. Cliquez sur le bouton qui s'affiche maintenant sur votre écran et on vous rappelle. D'ailleurs, j'en profite pour vous parler de Nouvelle Ère Énergie. On est spécialisé dans l'installation de panneaux solaires depuis 2013 et on accompagne plusieurs milliers de producteurs d'énergie solaire chaque année et partout en France. Notre mission, c'est de vous rendre l'utilisation de l'énergie solaire la plus simple et la plus rentable possible. Vous êtes toujours avec moi? Parfait! Je reviens maintenant sur les différents types de modules hybrides que vous pouvez installer sur votre toit. Après, on parlera de rentabilité. Il existe deux types de modules hybrides, aérovoltaïques ou avec des capteurs agricoles, on dit aussi capteurs hydrauliques. On détaille leurs caractéristiques ensemble. Un module hybride hydraulique est généralement composé de deux faces. La face avant est directement exposée à la lumière du soleil. Ces cellules photovoltaïques produisent du courant continu qu'elles transfèrent à l'onduleur pour qu'il devienne un courant alternatif. Vous produisez donc votre propre électricité.
La face arrière, elle, n'est pas exposée. Elle est équipée d'un circuit hydraulique dans lequel circule du glycol. Le panneau chauffe naturellement quand il produit de l'électricité, le glycol profite de la chaleur et le refroidit par la même occasion. En général, les panneaux hybrides peuvent vous permettre de couvrir 50% de vos besoins en eau chaude. Avec les modules hydrauliques, vous pouvez donc produire de l'électricité et de l'eau chaude. Si vous avez des questions sur le fonctionnement, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je vous répondrai rapidement. Avant de vous parler de l'aérovoltaïque, je précise que j'ai déjà fait une vidéo super complète à ce sujet. Vous pouvez la retrouver en cliquant sur le bouton qui s'affiche quelque part autour de moi. Bon, je vous explique quand même en quoi ça consiste ici. Les modules aérovoltaïques, à l'inverse des modules à eau, ne sont pas équipés de systèmes hydrauliques. À l'arrière des capteurs, on trouve un système étanche qui récupère les calories sous le panneau. Ces calories sont aspirées par un module de ventilation. Elles sont filtrées et insufflées dans la maison. Tout ça a pour effet de réduire la température à l'intérieur du panneau et de chauffer votre logement. Vous l'aurez compris, encore une fois, ça améliore le rendement de votre module solaire. Et un rendement au top, c'est l'une des clés pour que votre installation soit rentable. Mais ce n'est pas la seule. Je peux vous le dire tout de suite, les panneaux solaires hybrides sont rentables. Ils le sont parce qu'avec eux, vous vous attaquez à deux postes de dépenses énergétiques. La technologie hybride vous rend moins dépendant du réseau public d'électricité. Avec elle, vous pouvez réduire votre facture électrique, d'eau chaude ou de chauffage. Et oui, rien que ça. Si vous faites de l'autoconsommation d'électricité photovoltaïque, il faut aussi penser à la revente de surplus. Le surplus, c'est l'électricité que vous n'avez pas consommée. Un revenu supplémentaire, ce n'est pas négligeable quand on parle de rentabilité. En suivant le lien qui se trouve dans la description, vous pouvez retrouver mon tableau avec les tarifs de rachat actuels de l'électricité. Je fais un petit aparté. Pour faire de belles économies, vous devez auto-consommer au maximum. Comme ça, vous n'utilisez presque plus d'électricité payante. Si ça peut vous aider, j'ai récapitulé quelques astuces pour maximiser son taux d'autoconsommation. Vous pouvez cliquer sur le bouton qui s'affiche autour de moi pour télécharger votre PDF. Revenons-en à la rentabilité. C'est aussi une question de performance. Comme je vous l'ai déjà dit, ces panneaux ont un rendement supérieur aux capteurs photovoltaïques. Ça veut dire que pour la même puissance, avec de l'hybride, vous produisez plus d'électricité. Et en plus de tout ça, en installant des panneaux hybrides, vous êtes éligible à beaucoup d'aides de l'État. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est sûrement parce qu'elle vous plaît. Alors n'hésitez pas à aller mettre un pouce en l'air juste en dessous. Ça m'encourage à continuer de vous partager mes connaissances sur l'énergie solaire. Ce qui est génial, c'est qu'avec les panneaux hybrides, vous profitez des subventions qui sont réservées aux photovoltaïques, en plus des subventions réservées aux thermiques. Comme leur nature et leur montant évoluent constamment, je ne peux pas vous les donner dans cette vidéo. Mais pas de panique, vous retrouverez toutes les infos mises à jour en cliquant sur le bouton qui s'affiche maintenant sur votre écran. On a fini notre tour d'horizon sur les modules hybrides. Ça vous dit un petit récap de tout ce qu'on a vu jusqu'ici? Un panneau solaire hybride, c'est un panneau qui produit à la fois de l'électricité pour alimenter votre maison et de la chaleur pour chauffer votre eau chaude sanitaire ou votre maison. Il existe deux types de modules hybrides. Ils peuvent être hydrauliques ou aérovoltaïques. Ces systèmes sont plus chers que les panneaux solaires classiques, mais ils sont aussi plus performants. Il existe plusieurs aides qui vous permettent de financer une bonne partie de votre projet. En bref, les panneaux solaires hybrides peuvent être très intéressants si vous cherchez des panneaux multifonctions et performants. Cette vidéo est terminée et je vous remercie de l'avoir regardée. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air juste en dessous. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire et j'y répondrai avec plaisir en quelques minutes. Vous pouvez aussi nous les poser sur le chat en ligne de notre site internet. Si vous préférez discuter par téléphone, vous pouvez demander à être rappelé par l'un de nos techniciens conseillers. Ils sont à votre service pour vous accompagner gratuitement. Chez Nouvelle Ère Énergie, on met un point d'honneur à vous apporter un service rapide et personnalisé pour vous aider à passer à l'énergie solaire facilement et en toute confiance. Vous pouvez aussi approfondir vos connaissances en consultant tous nos guides complets sur l'énergie solaire,
disponible en ligne gratuitement sur notre site internet en suivant le lien qui se trouve dans la description. Je vous encourage aussi à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour profiter de mes conseils et vidéos sur l'énergie solaire que je mets en ligne très régulièrement. Et je vous demande une dernière chose. Ce serait vraiment sympa si vous pouviez prendre le temps de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux en cliquant sur le bouton partager qui doit se trouver quelque part autour de la vidéo. Allez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.